Et moi j'ajouterai un truc. Oui. Mettez en commentaire si vous voulez qu'on fasse la même interview, mais pour Flo. Non, non, parce que j'insiste, effectivement, on avait interviewé un podcast, mais on va refaire une interview pour sa chaîne. Mettez-le en commentaire et mets-le au début de la vidéo pour que tout le monde voit ça. Tu sais que je peux couper, hein. Non, non, justement. Tu mets en mais tu mets en début de vidéo, comme ça on voit en commentaire si les gens veulent t'interviewer, toi. Parce que dans l'historique, toi, t'es wouh! Je sais pas quelle année t'as commencé, mais bien avant encore. Le journal de Florian. Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Best of the List et avec aujourd'hui comme invité exceptionnel. Peut-être que... je savais qu'elle allait rigoler avec ce mot-là. Anissa Zuka, comment ça va? Ça va et toi, Flo? Eh bien, ça va très bien. Alors, peut-être que certaines personnes ne te connaissent pas, mais tu fais partie de l'ombre, on va dire, de la force athlétique. Tu es une femme de l'ombre, j'aime bien l'appeler comme ça. Peut-être qu'on va appeler ça la femme de l'ombre. En titre, la femme de l'ombre. Exactement. Il y a un film qui s'appelle Les femmes de l'ombre, qui parle des femmes qui ont travaillé à la NASA pour Apollo. Justement. D'accord, pour aller sur la ok. Lune. Donc peut-être qu'un jour, on arrivera sur la Lune. Peut-être qu'un jour, on arrivera sur la Lune, ouais. Exactement. Eh bien, Anissa, pour les gens qui ne te connaissent pas forcément personnellement ou pas du tout, bah, présente-toi, qui es-tu, quel âge as-tu et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors moi c'est Anissa, j'ai 30 ans, ça y est, je vieillis, j'y suis arrivée cette année. Je suis la gérante de Silent Worker, de BTZ Sport et de The Panache, voilà. Okay. Donc ça c'est sur la partie professionnelle. Sur la partie association, je suis la présidente de la Ligue Île-de-France et la présidente de la Team Costoc Île-de-France, voilà. Et puis membre du comité directeur de la fédération. Donc ça t'occupe du coup toute ta journée, enfin toute ta semaine, on va dire, oui. Ces différentes tâches. Je pense que je suis pas mal remplie. Plutôt deux fois qu'une. En termes de planning, on est pas mal. D'accord, très bien. Et on va revenir un peu sur ton parcours. Qu'est-ce qui t'a emmené jusqu'ici? Quelles ont été les étapes, on va dire, professionnelles dans un premier temps? Alors, si on prend mon parcours professionnel pour m'emmener là, je dirais que il n'y a pas trop Enfin, mon parcours n'est pas commun, si tu veux. Donc, moi, j'ai fait des études de sciences. Donc, j'ai fait un bac S. Ensuite, je suis partie en droit parce que je voulais faire du droit. Et puis, au final, il s'avère qu'au bout de 3 ans, ça ne m'a pas plu. Du coup, je me suis réorientée. J'ai fait un DCG, donc un diplôme de comptabilité gestion. À l'issue de ces 3 ans, j'ai continué. Donc, j'ai commencé un DSCG. J'ai travaillé en alternance chez Fiat. J'ai travaillé en alternance chez Total ensuite. Et par la suite, j'ai tout arrêté pour me consacrer à mon entreprise qui était Silent Worker, donc une entreprise que j'ai avec Coco et Pana, et maintenant aussi avec l'IA. Et voilà, donc c'est un peu ça mon parcours professionnel. Et par contre, mon parcours en termes d'association, parce que j'en ai un, j'ai été chef ten scout pendant des années. Okay. J'ai commencé à l'âge de 17 ans, j'ai jamais été scout avant, j'ai vraiment commencé en tant que chef ten. Et ça a duré, je crois, pendant 4 ans. Donc, j'étais chef ten chez les Louveteaux, donc les 8, 11 ou 12 ans. Et après, je suis devenue responsable. Donc, ça veut dire la personne qui gérait les chefs, qui manageait les chefs. Et ensuite, je suis passée chez les pionniers, donc les 14-18 ans. Ça consiste en quoi déjà, les scouts Les scouts, écoute, je pense que moi, si je devais le traduire à ma manière, en fait, c'est plutôt un groupe d'amis qui essayent juste de se recentrer sur les choses essentielles de la vie et d'avoir une vie un peu plus simple que le quotidien. Et c'est un bon moyen, je trouve, de ralentir les choses, parce qu'aujourd'hui, notre monde va vite. Et c'est vrai qu'on ne s'en rend pas forcément compte. Et quand tu pars en camp, donc pour les plus jeunes, une semaine, ou pour les plus grands, un mois, c'est un bon moyen de vraiment comprendre les choses, d'ouvrir les yeux et de voir réellement ce qui t'entoure. Et voilà, c'est un bon moyen de se recentrer. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie et qui peut me manquer d'ailleurs parfois. Donc en gros, il y a des scouts d'Île-de-France, entre guillemets, qui partent à divers endroits. Ouais, en fait, tu as des scouts, ça dépend des villes, mais dans plusieurs villes, c'est assez répandu. Alors souvent, les gens pensent que les scouts sont des mouvements assez religieux. Faut savoir que moi, je suis athée. Tout le monde peut être scout. C'est vrai qu'il y a une branche qui est liée à l'église, notamment, par exemple, moi, j'ai été scout à Daumont et on était hébergés dans la paroisse. Mais ça reste quelque chose d'assez libre. Et du coup, vraiment, pour moi, le but principal, c'est plutôt de se recentrer, de se reconcentrer et d'apprendre à vivre ensemble. Ok. Voilà. Bon, bah, apprendre à vivre ensemble,
un grand mot, c'est très bien. Et côté sportif, qui t'ont amené jusqu'ici, comment ça a débuté, on va dire? En vrai, ça a débuté avec Pana. Donc, il faut savoir que Pana et moi, on s'est rencontrés à la fac de droit, donc dès la première année. Donc, on était très, très proches en tant qu'amis. Et du coup, lui, il a commencé la muscu. On ne se demande pas pourquoi. Pourquoi un garçon commencerait la muscu à la fac, après tout? Ouais. Et du coup, en fait, j'avais jamais fait de sport et je détestais le sport, pour être honnête. Et lui, par les muscu, ça lui plaisait, etc. Et on connaît tous Pana. Enfin, peut-être pas, mais on connaît Pana et sa passion. Et quand il parle des choses, des fois, c'est vrai que bah, t'as envie d'essayer parce qu'il en parle. Il transmet. Avec... Ouais, voilà, c'est ça. Je dirais même, il transpire, tu sais, ses émotions, oui, et sa passion. Donc du coup, c'est vrai que ça m'a donné envie. J'ai commencé parce que je voulais bien me sentir dans ma peau. Et j'ai commencé juste la muscu pour ça. Okay. Donc j'ai commencé avec des entraînements à la maison, donc pas du tout en salle de sport, etc. Et je crois que ça m'a pris, et ça nous a pris, parce qu'on s'est inscrit en même temps, Pana et moi, un an et demi, peut-être même deux, avant de s'inscrire dans une salle de sport. D'accord. Donc en fait, ouais, à l'époque, on avait une chaîne Too Fit Franchise, et on avait mis notre rack à squat à côté de notre lit. Et notre salle de sport était dans notre chambre. En fait, on avait une chambre un petit peu grande et du coup, c'était le seul espace qu'on pouvait aménager pour mettre ça. Est-ce que c'est le même appartement où je suis venue? Non, je pense pas. Cet appartement-là, c'est un appartement à Montmorency. Et en fait, j'avais acheté donc un rack à squat Domios parce qu'on travaillait chez Decathlon. Et on avait une barre, on avait un banc de développé couché, etc. Incroyable. Voilà, donc on a commencé la muscu vraiment à la maison. Ok, donc à la maison, tout commence. Hein. Pour l'anecdote, une fois je suis allé chez vous, et justement, le stock Silent Worker était dans la chambre aussi, donc on stocke... On stocke tout à la maison, on commence tout à la maison. C'est le point de départ, en fait, pour... Tout commence de là, hein, finalement. Exactement. Parce qu'on commence toujours petit, et après on grandit. Et donc après être inscrit en salle de sport, tu t'es dit, tiens, j'ai envie de faire du bodybuilding. Ouais. En fait, on regardait beaucoup de vidéos motivation, lui beaucoup plus que moi parce qu'il parlait anglais alors que moi j'étais rincée, on va pas se mentir. Donc du coup, c'est vrai que j'ai vite fait essayé de faire une compétition de body. Je crois que c'était au bout de un an de mon inscription en salle. Donc j'avais fait NFS à l'époque. J'étais arrivée, je crois, à 5e ou 6e, mais ça m'avait plu. 6e, j'ai vu. Ah voilà, bon. T'as révisé? Bon, parce que je suis arrivée 6e. Mais ça s'est amélioré même. Mais ça s'est amélioré parce que l'année d'après, j'ai gagné ma catégorie parce que j'ai refait cette même compète. Mais c'est vrai que ça m'avait beaucoup plu. Je pense qu'il y avait une rigueur là-dedans. Je ne suis pas quelqu'un de très rigoureux de base, je pense. Je suis quelqu'un qui s'éparpille assez rapidement, qui fait les choses très vite, etc. C'était un bon moyen finalement pour moi de me recentrer, de me concentrer. Et je pense que du coup, j'ai accroché. Et c'est vrai que du coup, l'année d'après, j'ai continué. Et d'ailleurs, je crois que l'année d'après, j'ai fait 4 ou 5 compétitions quasiment d'affilée. D'affilée, ouais. Ouais. Donc, j'ai continué dans le body là-dessus en bikini. Et quand est-ce qu'il y a eu le passage bikini à force athlétique? Parce que Pana faisait déjà de la force? Pendant ma dernière année bikini, ouais, Pana a fait sa première compétition qui est... plus disponible sur la chaîne d'ailleurs. on a retiré les vidéos à sa demande, Too Fit Franchise, mais oui, il a fait une compétition régionale, c'était à l'INAS, moins de 514 junior. Et en fait, c'est pas pour ça que j'ai commencé parce qu'en fait, je travaillais chez Fiat, ça devenait vraiment difficile pour moi de gérer tout ce qui était l'aspect diète et entraînement en plus de mon travail. Mm-hmm. Et du coup, en fait, j'avais besoin d'une pause tout simplement à l'issue de cette année. Et je me suis dit que m'orienter vers la force, ça me permettait un peu de souffler, en fait, de toute cette pression qui s'était accumulée. Physiquement, j'avais besoin de récupérer, parce que bah, quand je montais sur le plateau, je faisais 50 kilos. Ouais. Il faut savoir qu'aujourd'hui, j'en fais 60 plus, des fois. Donc, t'étais en dessous de ton poids de forme. Ah oui, j'étais en dessous de mon poids de forme. J'ai jamais été au-delà de 55 kilos avant de faire du sport, mais cela dit, 50 kilos, pour moi, c'était du jamais vu, quoi. Et du coup, c'est vrai que j'avais besoin de récupérer, etc. Et d'ailleurs, mon corps me l'a fait sentir. Et du coup, très rapidement, je suis montée à 60 kilos, un peu trop rapidement même. C'est un peu les dérives, souvent, des diètes bodybuilding qui créent des TCA, voilà, etc. En gros, en bodybuilding, on est tellement restreint. Ouais. Et en force, on s'en fout, entre guillemets, d'un point de vue débutant, ouais, du physique. Ouais. Il n'y a que les barres qui comptent. Voilà, c'est ça. Bien que ce n'est pas le cas. Mais... Non, ce n'est pas le cas. Mais c'est vrai que c'est l'idée qu'on en a, en tout cas. Et du coup, j'ai commencé vraiment pour ça.
Ça me donnait un autre objectif, ça me donnait un aspect différent, un angle de vue différent, et ça me permettait de faire ma passion, en fait, quand même. Mm-hmm. Donc, c'était un moyen de m'évader. Et donc, tu as fait pas mal de compétitions. Tu as, il me semble, de mémoire, réalisé jusqu'au Minima France. J'avais réalisé Minima France l'année où il n'y a pas eu les championnats de France, c'est quand même fou. Ouais. Parce que je me suis dit, attends, mais je ne retrouve pas sa trace des championnats de France. Non. Et en fait, elle ne les a pas fait. Et en fait, c'était pile pendant l'année du Covid, oui. Du coup. Ouais. Et c'est la seule année où j'ai eu mes minima. Tu te rends compte? Mais après, ce n'est pas grave. Si tu veux, je pense que même si j'ai fait des compétitions, en côtoyant vraiment maintenant, notamment athlètes de haut niveau, je pense que je suis une fausse compétitrice. En tout cas, ce n'est pas ce genre de compétition-là qui m'intéresse. Mm-hmm. Donc, quand je suis arrivée sixième à NFS, c'était pas grave, je me suis pas effondrée, tu vois ce que je veux dire. Et ne pas atteindre les minima en force, c'était pas grave non plus, parce que c'était pas mon objectif final. Mm-hmm. Le sport, ça a toujours été pour moi un plaisir, et même si c'est une passion que je réalise avec ardeur, etc., c'est pas mon élément principal dans ma vie, c'est vraiment une clé pour mon bien-être. Pour se recentrer, comme ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que je ne serai jamais une bonne compétitrice là-dessus. En fait, tu es une compétitrice envers toi-même, surtout. Ouais, c'est ça. Et surtout, pour moi, le sport, c'est vraiment une question de bien-être intérieur, ouais. Que ce soit mental, physique ou autre. On parlait du coup de ce côté sportif. Tu avais un entourage déjà qui t'aidait dans ces moments-là, justement, comme tu disais, te recentrer. Parce que là, on parle souvent d'équipe. Par exemple, en Silent Worker, est-ce que l'équipe était déjà là, à ce moment-là? Au moment du body? Oui. Non, pas en tant que tel, entre guillemets. Cela dit, déjà, Pana et moi, on a beaucoup pratiqué ensemble. Alors, il a commencé avant moi, mais on a quand même beaucoup pratiqué ensemble. Et on a toujours été entourés d'une manière ou d'une autre par des personnes. C'est-à-dire qu'à la salle, par exemple, quand on s'entraînait, il y avait quand même du monde. Il y avait son meilleur ami. Il y avait souvent celui qui, aujourd'hui, s'occupe de la production de Silent Worker, donc Why Me. Voilà. C'était vraiment une habitude quand même de s'entraîner en équipe. C'est quelque chose qui a toujours été là. Même si l'équipe telle qu'on la connaît aujourd'hui, n'existait pas encore. Et d'ailleurs, quand on a été à sa première compétition de force athlétique, on était avec Abdou, un ami de la fac, très bon ami de la fac, qui faisait de la musculation lui aussi de son côté. Enfin voilà, tu vois, c'est vraiment, ça a toujours été comme ça. Oui. Et quand on est arrivé à ses premiers championnats de France, tu vois, on n'est pas arrivé que tous les deux ou lui tout seul. Non, il y avait plus de monde que ça. Et en fait, donc je pense que cet aspect-là de groupe, et je dirais même que Pana l'a beaucoup plus, peut-être que moi. C'est vrai et faux, parce que tu vois, avec les scouts, je vivais déjà en groupe et c'est quelque chose que j'apprécie, mais c'est aussi la solitude que j'apprécie. Mais alors que Pana, vraiment, l'esprit famille, c'est vraiment son truc, et je pense que du coup, c'est ce qui fait qu'il y a toujours une équipe. Le point de départ, ça a été la création de l'association Team Costock. Alors oui, parce qu'en fait, Pana avait rencontré Coco lors d'un championnat de France, et ils se sont super bien entendus. Et à l'époque, il était à, je ne sais plus qui est la force, ah non, je ne saurais pas dire, mais une association dans le 94. D'accord. Et ça ne se passait pas très bien, ouais. Dans le sens où Pana a toujours eu les objectifs qu'il a, qu'on lui connaît, c'est-à-dire vocation de devenir à l'époque champion de France. Quand il a démarré, c'était tout de suite, hein, il allait devenir champion de France. Quand il a dit ça, le mec lui a dit oui, peut-être dans 8 ans. Lui, ça lui a pas plu, tu vois, parce que pour lui, c'était pas 8 ans. Qu'est-ce que ça représente, tu vois, quand on a 22, 8 ans, c'est énorme. C'est énorme. Donc lui, il se disait, non, mais voilà, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Du coup, il a trouvé Coco, et c'est vrai qu'ils avaient un peu ce même état d'esprit, cette même vision des choses. Et du coup, ils se sont dit que créer une association qui leur ressemblait, même s'il n'y avait pas de lieu physique, c'était intéressant. Et du coup, Coco a créé la Team Costock, à l'époque, en région Grand Est, et on était tous inscrits là-bas. On a toujours eu l'habitude d'y aller, de faire les compétitions là-bas, de faire de la route, de s'entraîner ensemble. Et si c'était pas là-bas, c'était à l'époque dans la salle de Gilles Pinero, oui, dans le 77. Voilà, donc on faisait les 1h30 de route pour s'entraîner. Et c'était normal, tu vois. Je veux dire, on venait tous à droite à gauche. Il y en a qui venaient, Noémie, elle venait de Troyes. Nous, on venait de la région Île-de-France. Voilà, on faisait tous notre route, on s'entraînait le samedi et c'était notre rendez-vous. Donc, c'était chaque samedi? C'était pas chaque samedi, mais c'était relativement souvent, ouais. Souvent, ouais. Ouais, okay. Ouais. Et c'était les meilleures séances, peut-être? Je pense, ouais. Et c'était vraiment, c'était une belle époque, parce que, si tu veux, je pense que
cette époque-là, c'était un moment clé dans le sens où très peu de personnes faisaient ça à l'époque. S'entraîner, faire autant de routes pour s'entraîner, c'était genre tout le monde te regardait avec des gros yeux en mode ils sont malades, tu vois. Ouais, ouais, c'est ça. Il va passer tout son samedi après-midi à la salle parce que c'était ça. Et à la fin, on mangeait un grec, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et au final. Tout le week-end, du coup. Oui, c'est ça. Au final, tu rentrais et t'étais épuisé. Le lendemain, tu dormais ou t'allais bosser, enfin, parce qu'on avait le job étudiant. Mm-hmm. Mais c'était vraiment des heures de plaisir et c'est peut-être là qu'on a pris goût à se retrouver autour d'une séance, à partager un moment et pas juste venir s'entraîner et repartir. Okay. Voilà. Et c'est ce qui fait que pour nous, la force, c'est pas un sport individuel, mais plutôt quelque chose de collectif en tant que tel. Okay. Et c'était en 2017 à ce moment-là à peu près. Hein. Franchement, je saurais pas te dire. Parce que pour avoir du coup interviewé Corentin et Pana, c'était le 31 décembre 2017, exactement. Je me souviens qu'il caillait. Il caillait, hein, vraiment, dans la salle. Il n'y avait pas de toilette, il n'y avait rien. C'était en fait des tôles autour. Mais en fait, c'était un stockage. C'était comme un sugar, short guard, enfin bref, le truc. Et il n'y avait pas de toilette, donc ils allaient tous faire pipi et caca dehors. Faut dire ce qu'il y a. Et en plus, on caillait. Et Coco, lui, il voulait absolument pas allumer les trucs à fuel, là, et je le balance, parce qu'il disait que ça coûtait cher. Et nous, on caillait. Je crois qu'il a quand même réussi à. Au bout d'un moment, ouais, parce qu'on avait trop froid. Quand les barres, elles sont givrées, à un moment donné. Ouais, ça, il voulait bien. Mais c'est vrai qu'au début, c'était compliqué. Mais c'est vrai que, ouais, faire de la route. Et pour le coup, on n'avait pas d'argent, donc je peux te dire que la route qu'on faisait et l'essence qu'on payait. Elle coûtait cher. Ça coûtait cher. Pas que financièrement. Oui. Mais c'était un plaisir. Ouais. Voilà, c'était comme sortir avec ses potes un samedi soir pour certains ou aller en boîte pour d'autres. Bah, nous, c'était ça. Ok. Voilà. Et donc après, vous vous êtes dit comment on va créer une marque de vêtements Silent Worker. À quel moment ça a basculé de ce côté-là? Parce que c'est à peu près les mêmes personnes qui constituaient la team Costock au départ, les personnes les plus importantes, entre guillemets. Et du coup, vous avez décidé de vous lancer dans cette aventure, comment? Alors en fait, déjà l'idée de créer une marque de vêtements, c'est fou à dire, mais quand Pana et moi, on s'était retrouvés une journée entière dans la réserve de Décathlon, à cintrer et trier les vêtements parce que c'était la rentrée. Donc quand tu passes une journée dans la réserve, t'en as marre. Et on s'est dit, putain, mais c'est pas possible de plier des vêtements et de cintrer des trucs toute la journée et tout. Le seul moyen, en gros, pour que ce soit sympa, c'est que ce soit notre marque. Et on dit, bah, peut-être qu'un jour, on viendra faire ça, tu vois. Donc déjà, la germe est arrivée là, tu vois. Donc ça, c'est vraiment la petite graine. Et puis au fur et à mesure, en fait, quand on a eu toute cette ambiance et tout, tu te dis, mais en fait, ce serait sympa d'avoir quelque chose, de porter quelque chose qui nous ressemble, en fait. Et qui s'inscrit, qui laisse transparaître, en fait, ce qu'on ressent. Et du coup, Pana avait fait une ébauche du logo Silent Worker. Alors, il faut savoir que Pana est un très mauvais dessinateur. Mais par contre, il est plein d'idées. Et du coup, donc, il a essayé de faire ça. Il a demandé à une amie après de retravailler, etc. Après, ça a été encore retravaillé, bref, pour arriver au logo actuel. Et du coup, on s'était dit, lancer une marque de vêtements à deux, est-ce qu'on en est capable? Tu vois, il y avait plein de choses. Enfin, nous, on n'avait jamais pensé à l'entrepreneuriat à l'époque. Bien sûr. Donc du coup, pour nous, c'était audacieux. Et à l'époque, Coco était chez le père de Pana avec nous pour des vacances et on discutait et tout. Et il nous a dit qu'il était chaud. Et ça nous arrangeait un peu parce que lancer une marque en couple, parce qu'il faut savoir qu'on était quand même un jeune couple, tu vois, c'est pas forcément facile. Il faut savoir dissocier les deux. Donc en fait, on a démarré comme ça. Mais c'est vraiment en se disant... Est-ce que Corentin a joué presque rôle de médiateur entre les deux pour justement tempérer, entre, comme tu disais, pour pas que ça déborde sur la vie perso? Non, je pense pas. Par contre, je pense qu'il a été vraiment un peu un point de sécurité, en mode, de toute manière, même si Pana et moi on se sépare, c'est pas grave, parce qu'on a cette troisième personne et on pourra communiquer via ça, en fait. Même si tu sais pas, enfin, je veux dire, quand on a démarré ça dans ton corps, on savait pas ce que ça allait devenir. Oui. Donc, tu sais pas. Mais tu t'imagines que ça va peut-être perdurer, donc... On a toujours été très terre à terre, Pana et moi, et on a toujours évoqué la possibilité qu'il y ait une fin à notre couple, et du coup, bah, quelle serait la suite de tous nos projets à chaque fois. Et du coup, Coco, justement, c'était vraiment un bon truc, d'autant plus qu'il était autant passionné que nous, qu'on s'entendait très bien, et que ça tombait, entre guillemets, sous le sens, tu vois. Oui. Et encore une fois, on ne maîtrisait rien. Enfin, je veux dire, on a démarré presque innocemment, avec une mise de départ, franchement, je crois que c'était 3000 euros. Et on s'est dit, c'était énorme, hein, attention, c'était toutes nos économies. Tu vois ce que je veux dire? Mais
pour nous, c'était, on se disait, bah, au pire, ça marche pas, on perd 3000 euros, ça nous fait mal, surtout à l'époque, mais ce sera épongeable dans une vie, tu vois. Et oui, on aura des t-shirts à porter tout le la fin de notre jour. C'est bon, tu vois. Mais voilà, c'était... Ouais, ça a commencé vraiment... On va voir, je sais pas ce que ça donne. Alors, je vais... On va continuer, mais on va faire une petite pause dans ce que tu dis. Mmh. Je vais te lire quelque chose et tu vas me dire ce que ça t'évoque. Vas-y. Il y a 4 ans, Silent Worker est né d'une idée. Unir les athlètes autour d'une même passion. La force. Autour des mêmes valeurs, l'intégrité et le travail, autour des mêmes objectifs, le développement du sport. C'est donc avec une immense fierté qu'aujourd'hui, nous vous annonçons notre partenariat officiel avec la Fédération Française de Force, afin de continuer à construire ensemble dans une même vision l'avenir, ainsi rendre au sport tout ce qu'il nous avait apporté depuis toutes ces années. On est passé de 2019 à 2023 d'un seul coup. Du coup, vous étiez parti avec un regard innocent. Vous saviez pas jusqu'à ce jour où ça allait vous porter. Est-ce que tu peux citer 3 étapes qui t'ont marqué dans cette, ou même pas forcément 3 étapes, mais les étapes qui ont justement sont succédées jusqu'à arriver au jour d'aujourd'hui? La première étape qui m'a marquée sur Silent Worker, je dirais que c'est les premiers championnats de France où on a importé les t-shirts. On les avait portés dans notre valise parce qu'on avait fait des précommandes, tout simplement parce que bah, c'était une question financière. Et du coup, Pana et Coco avaient préparé un PDF pour des personnes qui précommandaient. Et donc, on a ramené notre valise et on a donné tous les vêtements aux gens qui avaient commandé, qui étaient sur place, etc. Et du coup, sur ces premiers championnats de France, je ne saurais plus dire lesquels, mais Alex avait participé à ces championnats de France là. Okay. Et 2018, hein, ouais, voilà, ça doit être ça. Et en fait, du coup, tout le monde s'est demandé qu'est-ce qu'était ça Silent Worker, parce que sur les réseaux, on n'avait pas l'impact qu'on a du tout. Donc du coup, personne savait d'où ça sortait. Enfin, je veux dire, on devait avoir, je dirais une bêtise en disant 50 followers, mais voilà, tu vois, donc personne connaissait Silent Worker. Donc ça m'a marqué de pour la première fois avoir porté les vêtements qu'on avait eu autant de mal à créer, pas tant parce que c'était difficile de le faire, mais parce que nous, on connaissait rien et qu'il y avait eu personne pour nous aider. Et que quand tu cherches sur Internet, enfin, en tout cas à l'époque, maintenant, je ne sais pas, comment créer sa marque de vêtements, c'est pas intuitif, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Donc, il y a tout cet aspect-là. Et c'est vrai que du coup, ça devenait réalité que de voir des gens porter la marque. Donc ça a été pour moi la première étape. La deuxième étape, ça a été quand on a emménagé dans notre ancien local à Saint-Ouen-l'Aumône et que pour la première fois, j'ai eu un bureau. Alors ça, pour moi, c'était quelque chose d'inédit parce que c'est vrai que du coup, comme tu l'as dit, on stockait tout dans notre chambre, dans notre salon ou chez le père de Pana, et tout simplement pour limiter les frais. Et c'est vrai que là, pour nous, ça a été... on a un endroit où on peut préparer les commandes, où je peux travailler, etc. Donc ça, ça a été un gros point clé. Et évidemment, le dernier, c'est celui que tu viens évoquer, parce que sponsoriser une fédération. Alors, je mentirais en disant que ça sort du chapeau, parce que je me souviens très bien d'une discussion qu'on a tous eue à Cergy, en disant « putain, mais c'est un jour ». Et Cergy, ça remonte pour nous, parce qu'on a eu 3 ou 4 salles depuis. Ouais. Si un jour on sponsorise... Non, un jour on va sponsoriser la Fédé, c'est sûr, un jour on va sponsoriser... Tu vois, rigolant en plus, tu vois. En rigolant, ouais, mais on a toujours été un peu des rêveurs finalement, tu vois ce que je veux dire, ouais. Donc, c'était dans notre esprit, simplement, à l'époque, on n'avait ni les moyens, ni l'entreprise qu'on a actuellement, donc c'était, pas envisageable, mais c'était une idée comme ça, tu vois, en se disant, un jour on sponsorisera la Fédé, t'inquiète. Mais, ouais, quand j'ai demandé... Pour sponsoriser la Fédé, les modalités, etc. Savoir que les modalités sont disponibles sur Internet pour ceux qui le veulent. J'ai demandé à l'avocat de faire le contrat. Déjà, avoir un avocat, ça aussi, par exemple, c'est une étape, tu vois, dans une entreprise. Mais quand j'ai lu le contrat de sponsoring, j'ai vu sur quoi ça nous engageait pendant 4 ans, etc. Ce que nous, on allait fournir en retour, le travail que ça nous demanderait. Et en fait, je me suis dit, mais ça y est, c'est fou, tu vois. On va avoir notre logo sur les bâches de la fédération, sur le site de la fédération, là où avant, quand on voyait le logo SBD, Leico, Palini, mais c'était un truc de dingue, tu vois. Et donc, voilà. Je dirais que c'est la dernière étape de ces 3 étapes qui a fait que, et encore pour moi, c'est... Ce n'est que le début.
C'est même pas le début. On a eu cette discussion avec l'IA, c'est même pas le début. Pour nous, on est... Moi, je suis dans le warm-up room. Là, je suis prêt pour aller dans le starting block, mais je suis nulle part. Je suis tellement loin des objectifs que j'ai que pour nous, on y est nulle part, tu vois. Genre, quand on nous dit « regardez ce que vous avez fait » ou « regardez où vous en êtes » et tout, bah oui, je vois la différence. Mais en fait, j'y suis pas, tu vois. Donc, je peux pas dire que j'ai accompli quoi que ce soit. Pour moi, je suis vraiment là. J'ai juste le droit. C'est comme si j'avais payé mes droits d'entrée. Tu vois ce que je veux dire ? D'accord. Et c'est tout. Ouais. Ok, vous êtes visible maintenant. Voilà. On vous voit. Maintenant, on commence. Voilà. Maintenant, à vous de faire vos preuves. Ok. Voilà. Donc, on en est là. Pour revenir sur la deuxième étape, où justement, vous avez un bureau, un local pour stocker, pour travailler, etc. Ça symboliserait presque un endroit, ok, on vient de construire quelque chose. Ouais. quand tu... C'est tout bête, hein, parce qu'en soi, quand tu bosses de ton ordi, peu importe où tu es, tu bosses. Oui. Mais c'est vrai que rajouter un lieu où tu ouvres la poignée de ta porte et tu dis « Ok, ici, c'est Silent Worker, ici, ça sent mes vêtements, ici... » Tu vois, c'est des choses toutes bêtes, mais tu dis « Ok, ça devient réalité, tu vois, tu le vois, ça se réalise. Mm-hmm. » Quand Silent Worker a grandi, la première année, ça a été très compliqué, enfin, voilà, mais... Petit à petit, quand ça a pris, j'ai eu énormément de mal à le réaliser, simplement parce que quand tu es en backstage, tu vois surtout les soucis, tu vois réellement là où toi tu pêches en tant que personne, là où ton entreprise pêche, ce que tu veux améliorer, et enfin tu vois ton objectif, et du coup tu vois que tu n'y es pas. Mais tu ne vois pas réellement la construction qui se fait. Alors que c'est vrai que du coup, quand tu arrives dans ton bureau et que tu dis « Ok, là c'est mon espace de travail », c'est encore différent, et c'est vrai que ça te permet de réaliser que « Ouais, j'ai quand même… j'ai step up ». J'y suis fait, pas, mais... C'est la tête dans le bidon, donc tu... Ah oui. Ouais. Tu vois pas l'entourage, non. Quoi, en gros. Non. Le seul moment où je vois l'entourage, et c'est pas pour Silent Worker en tant que marque, oui. Mais c'est pour le mythe, mm-hmm. Les seuls moments où je réalise pour le mythe, et souvent je le dis, et c'est mes seuls moments d'émotion d'ailleurs, c'est ceux-là, c'est quand je vois vraiment la compétition se réaliser, que je vois les gens contents, que je vois la synergie entre le public, les athlètes, les bénévoles, et en fait, c'est le seul moment où je réalise. Et d'ailleurs, première édition de ce Silent Worker Meet en 2019, oui. Où tu participes. Oui, je participe. La seule participation d'ailleurs. Oui, bah parce qu'après j'ai réalisé que je ne pouvais plus. Et oui. Mais franchement, pour moi, le Meet, je pense que c'est mon talon d'Achille, entre guillemets, parce que pour ceux qui savent, enfin qui me connaissent, j'aurais voulu être dans l'événementiel. À l'époque, ma mère m'avait dit que... ça n'avait pas d'avenir, mais donc j'ai pas continué là-dessus. Mais c'est vrai que l'événementiel, c'était mon truc. Et en fait, alors est-ce que je dois raconter l'histoire du mythe du coup ? Vas-y. Allons-y. Alors l'histoire du mythe est très, très particulière et je m'en souviens comme si c'était hier. Genre c'est vraiment un truc, c'est très simple. On était en week-end avec Pana, chez Noémie et Kevin. Et on se réveille, moi je me réveille plus tôt que Pana, comme c'est étonnant. Un dimanche matin. Noémie et Kevin étaient réveillés et du coup on parlait du fait que quand tu n'avais pas un niveau national, tu n'avais pas beaucoup de compétition. Tu avais seulement les deuxièmes pas à l'époque qui étaient en juin. Mais finalement les deuxièmes pas, ça n'avait pas beaucoup d'attrait pour les gens. En gros, tu avais département, région, interrégion de novembre à janvier. Ouais. Et après fin. Ouais, c'est ça. Plus ou moins. C'est ça. Mais sinon tu avais les deuxièmes pas, tu pouvais les faire, mais c'était pour les débutants soi-disant. Et franchement, les deuxièmes pas, je veux dire, on va pas se mentir, en termes d'ambiance, c'était pas terrible. Dans beaucoup de régions, en tout cas. Et du coup, c'est vrai qu'on est juste parti du constat qu'il manquait une compétition pour les personnes qui n'avaient pas un niveau national. Même si les minima à l'époque étaient plus bas, tout le monde ne les avait pas. Et on en discute, on se pose autour de la table, machin. On se dit, tiens, créer une compétition serait pas mal et tout, ils sont d'accord, machin. Et en fait, on a un peu resté là, mais avec cette idée-là. Et en fait, quand je suis arrivée au travail, lundi, je me suis dit, mais en fait, je vais quand même appeler la mairie, tu vois, pour savoir si ils ne voudraient pas me prêter le gymnase pour organiser une compétition. Donc, un jour après. Un jour après. Mais je suis comme ça. ça me trotte, et quand ça m'a trop trotté, il faut que je réalise le truc. Donc, du coup, j'appelle. Évidemment, personne ne me connaît à la mairie. J'ai même pas d'association dans la ville, donc voilà. Et puis, je tombe de service en service et j'arrive à un mec qui me dit « Ah, mais moi, je connais l'haltérophilie, c'est que c'est pareil. » Donc, je lui explique. Et au final, il accepte de me rencontrer et je lui présente mon projet. Et en fait, il accepte d'accueillir la compétition. Et j'ai eu énormément de chance parce qu'en fait, le président de l'Île-de-France à l'époque, qui était Grégory Dufour, que j'ai appelé,
m'a tendu la main tout de suite, et c'est quelque chose d'assez rare, et c'est quelque chose dont je le remercie, et à chaque fois il me dit « mais j'ai fait que mon travail », alors que dans un sens c'est vrai, mais dans un autre beaucoup ne l'auraient pas fait. Et s'il ne m'avait pas tendu la main, est-ce que je serais allée plus loin? Je ne sais pas. Okay. Mais il m'a dit « moi je suis prêt à supporter ta compétition, je peux t'amener le matériel de la ligue et t'aider pour l'organisation, t'aider pour l'arbitrage, etc. » Et ensuite de ça, bah, on a continué à travailler dessus avec notre groupe. Donc à l'époque, il y avait quand même Noémie, Kevin et d'autres personnes avec qui on travaillait. Et d'ailleurs, la première affiche, c'est Noémie qui l'a faite. Donc voilà, ça a vraiment été déjà un travail de cohésion à l'époque. Et c'est pour ça que tu dis équipe, il y a toujours eu. Peut-être différente, mais équipe, il y a toujours eu. Et c'est vraiment quelque chose qui nous a suivis. C'est quelque chose qui a permis aux différents projets de naître. Et ce Silent Worker Meet a été très spécial. Et parce que finalement, sans s'en rendre compte, c'était les prémices d'un événement qui aujourd'hui est important en France et que les gens attendent, alors qu'à l'époque c'était juste finalement une bande de copains qui voulaient faire une compétition parce qu'il n'y avait pas assez de compétition, tu vois, c'est tout. C'est ça. Et Stéphane Atto était venu, que je ne connaissais pas du tout, hein, le président de la Fédé, oui. Est venu. Alors je pense que c'est Grégory qui l'a invité, il faudrait lui redemander. Alors, en fait, il m'a dit, mais moi, cet événement, pour moi, c'est l'avenir. Je veux sponsoriser cet événement, je veux que le Silent Worker Meet soit aidé par la Fédé pour qu'il y ait de plus en plus d'événements comme ça en France. Et du coup, cet événement-là lui a inspiré aujourd'hui le fonctionnement, en fait. Le fonctionnement, oui. C'est la refonte, en fait, du fonctionnement des compétitions est liée à ce Silent Worker Meet-là, qui est lui-même lié à juste un constat qu'il n'y a pas assez de compétitions et une bande de copains qui se disent « bon, bah, on va en faire une ». Les briques sont bien imbriquées. Ouais, tu vois, comme quoi, voilà. Oui, parce que maintenant, depuis cette année, oui, c'est ça, les saisons sont du 1er janvier au 31 décembre, alors que contrairement à avant, c'était du 1er septembre au 31 août. Oui. En fonction des années scolaires, maintenant, c'est plutôt des années civiles. Oui. Donc déjà, pour correspondre au calendrier IPF, qui est oui. du coup du 1er au 31 décembre. Et donc maintenant, les compétitions peuvent se faire n'importe quel mois. Il n'y a plus de région interrégion officiellement, entre oui. guillemets. Peut-être que je me trompe, mais... Non, la seule compétition qui existe maintenant, c'est la compétition le championnat régional. Oui. C'est le seul qui reste, mais effectivement, il n'y a plus de... ce sont que des Open. Et dans l'idée, c'était que tous les athlètes puissent participer n'importe où en France aux compétitions qu'ils souhaitent pour justement retrouver ce goût d'organiser des compétitions pour permettre aux athlètes de briller sur une plateforme. Parce qu'il faut toujours avoir en tête, et c'est un peu le cœur du mythe, que les athlètes, peu importe leur niveau, même les plus modestes, s'entraînent dur pour au final passer 9 minutes sur la plateforme, ce qui ne représente rien par rapport à leur travail, et que donc il faut mettre leur travail en valeur. Donc le Silent Worker Meet, on arrive d'ailleurs à l'annonce prochaine. Donc là on est J-1 avant l'ouverture des inscriptions. Bon, le podcast va sortir normalement après le début des inscriptions. Je ne suis pas aussi rapide quand même. qu'est-ce que tu envisages pour cette année ? Pour ce mythe-là ? Pour ce mythe-là. Parce que normalement, cette année, il n'y en a pas qu'un. Oh, intéressant. Parce qu'on a eu des mythes dans une autre région l'année dernière, en 2022. Oui. Sans citer Lyon. Non, absolument pas. Absolument. Qui a été une forte réussite. Qui a été une forte réussite. Alors, on se demande grâce à qui ? Est-ce que vous projetez peut-être de faire un Silent Worker Meet Festival dans toutes les régions? Je ne sais pas. Dis-moi en plus. Alors, le Silent Worker Meet, encore une fois, donc l'idée, c'est vraiment de permettre aux athlètes de briller sur la plateforme, peu importe leur niveau. Et du coup, c'est vrai que la demande d'année en année a été tellement forte que l'année dernière, quand on est arrivé au bout de 40 minutes sans place, on s'est dit non mais... Enfin, moi, j'y croyais pas, j'étais en compétition à l'INAS. Je faisais la table ou j'arbitrais, je ne sais plus. Non, je faisais la table et je me disais, non, mais c'est pas possible. Enfin, je veux dire, 100 places qui partent en 40 minutes, c'est fou. Surtout, il faut remettre en contexte, c'est-à-dire que le Silent Worker Meet est payant. Il a toujours été payant et ça a toujours été la compétition la plus chère, entre guillemets, de France, si on retire les championnats de France. Mais en dehors du cadre fédéral, c'est la compétition la plus chère. Donc, pour moi, c'était fou. Que de se dire qu'en si peu de temps, les gens étaient prêts à nous faire confiance et à payer autant pour participer à cette compétition. Donc si tu veux, l'année dernière, c'est vrai qu'à l'issue de ça, donc j'ai contacté Gwenaëlle,
Et du coup, j'ai vu pour est-ce que par hasard on pourrait organiser une autre compétition, effectivement à Lyon. Pourquoi Lyon? Parce que c'est central, ça reste facile d'accès, etc. Et puis surtout, parce que si tu organises une compétition dans un endroit, il faut que tu aies un référent sur lequel tu puisses compter. Et là-dessus, j'ai aucun doute sur Gwen. Elle est même bien meilleure que moi sur bien des points. On rigole beaucoup parce que Gwen est juste derrière, voilà, c'est ça. Mais du coup, l'idée a germé comme ça, de se dire qu'éventuellement, on pourrait faire un deuxième Salon Thermite et il serait à Lyon. Et donc, normalement, cette année, sauf force majeure, il y aura un Salon Thermite à Lyon qui permettra aux gens qui ne peuvent pas participer au Salon Thermite à Saint-Germain d'avoir une autre compétition. Il sera en décembre, donc voilà, ça permet de régler ça dans l'année. Et peut-être, et là je balance une info exclusive, que l'année prochaine, il y en aura un troisième. On laisse le suspense. On laisse le suspense là. Ok, très bien. Mais il y aura peut-être un troisième. Et encore une fois, l'idée c'est vraiment derrière, juste, on nous a tendu la main au début vraiment, enfin ça c'est quelque chose que je veux vraiment dire et sur lequel je vais insister, parce que c'est vraiment un point clé. T'as beau avoir les meilleures idées du monde, si t'es tout seul, ce sera très compliqué, voire impossible toi pour les réaliser en fait. Et que ce soit nous, notre groupe d'amis, que ce soit les personnes à l'époque dirigeantes de la Ligue ou de la Fédération, on nous a tendu la main en tout point. Alors on nous a pas tendu la main parce qu'on était tout beau, tout gentil, mais parce qu'on avait des idées et qu'on mettait en place des choses. Mais on nous a toujours tendu la main et du coup ça permet, c'est ce qui a permis au Salon Thermite de grandir. Aujourd'hui, le Salon Thermite et de cette ampleur et un budget et a le budget qu'il a aujourd'hui parce que il a un passif et en fait ça nous permet de réaliser ce genre de compétition et de permettre à plus d'athlètes encore d'avoir ce genre de cadre, donc à savoir des écrans géants, de la musique, un speaker, ce genre de choses, et du coup c'est quelque chose vraiment qu'on veut développer pour les athlètes, tout en sachant que une compétition, en tout cas notre compétition, je vais le dire, ne nous rapporte pas d'argent en tant que tel. Voilà. Ce qui est autour, évidemment, les stands, etc. Mais la compétition, non, parce que notre but, c'est qu'à chaque fois qu'on a de plus en plus d'argent, on le réinvestit. Et cette année, les investissements qui sont faits sur le mythe, et ça, du coup, je vais peut-être spoiler, ils sont énormes dans le sens où, tu vois, on veut mettre en place un module comme Goodlift, qu'on est en train de mettre en place, donc il faut faire venir quelqu'un d'Espagne. Il y a un écran géant qui sera derrière la scène au lieu que ce soit une bâche. Enfin, voilà. C'est des choses à chaque fois qu'on veut augmenter. Le cash prize sera de 10 000 euros. C'est inédit pour nous. Voilà. Pour moi, c'est la suite logique des choses. Oui, en fait, c'est vous nous donnez, on vous rend. Ouais. En fait. Mais je ne suis pas quelqu'un, on va rentrer dans ma vie privée, mais je ne suis pas croyante. Mais par contre, j'ai une conviction personnelle que tout est un équilibre, tu vois. Il y a un équilibre certain à avoir et voilà, ça, c'est quelque chose qui me guide. Si tu prends, on va te prendre. Si tu donnes, on va te donner. Et pas forcément de la manière dont tu t'y attendras ou de la même manière, mais on te rendra. Voilà. Et peu c'est quelque chose. Peu importe la période. Oui, peu importe la période. Genre vraiment, c'est juste pour moi une question d'équilibre. Et le sport, quand tu cites le discours, le sport nous a apporté la vie qu'on a aujourd'hui. Pas qu'à moi, mais à beaucoup d'autres. Hein. Et je trouve que c'est super important que de le rendre. Enfin, pour moi, c'est logique. Et c'est pour ça que malgré mon parcours professionnel et aujourd'hui les entreprises que je gère, je continue à donner de mon temps. Et même si ce n'était pas en tant que présidente de ligue ou autre, je donnerai de mon temps en compétition, j'irai arbitrer, j'irai faire la table, j'irai faire ces choses-là. Parce que pour moi, c'est des choses qui sont super importantes. Et c'est ce qui te permet aujourd'hui, c'est ce qui me permet aujourd'hui de mieux comprendre le sport et de rencontrer des gens qui sont... formidable, tu vois. Aujourd'hui, sur toutes les personnes qui nous entourent, la majorité des gens qu'on a rencontrés, c'est lié à ça, tu vois. Oui. Et pourtant, maintenant, ils font peut-être partie de mon parcours professionnel, ils travaillent peut-être avec moi, ou tu vois, j'en sais rien. Mais c'est vraiment, ça m'a donné beaucoup, genre vraiment. C'est très, très inspirant ce que tu nous dis. Moi, je veux revenir sur quelque chose où tu dis, mon parcours professionnel m'a emmené jusqu'ici, etc. Je me souviens vraiment, j'ai encore l'image de ta story ou de ton poste, je sais plus, qui dit « je quitte mon travail ». Je quitte mon travail où j'ai un confort, j'ai une sécurité pour me lancer justement peut-être dans l'inconnu au départ. Et tu m'as... Raconte-moi ce que tu m'as dit l'autre jour quand tu t'es assis à la Défense.
Alors, faut savoir que c'est un cheminement de plus longue date, mais effectivement, oui. Donc ma dernière année de travail, on va dire lambda, comme tout le monde, monsieur, madame, tout le monde, je me suis assise un midi, enfin, je le faisais pas qu'une fois, je le faisais plusieurs fois, je m'asseyais à la Défense et en fait, je regardais les gens passer. Et je me demandais à leur tête, est-ce qu'ils étaient heureux, en fait, d'avoir la vie qu'ils avaient? Est-ce qu'ils faisaient ça machinalement? Tu sais, c'était un peu comme si j'étais spectatrice de ce qui se passait. Et je me posais énormément de questions. Et c'est quelque chose que je faisais régulièrement. Et c'est quelque chose que j'ai fait assez tôt, finalement, parce que quand j'ai arrêté la fac de droit et que je me suis retrouvée en DCG, c'était pas un choix par conviction ou par passion. Enfin, voilà. C'était juste, bon, la compta, ça paye. Il y a du travail, je vais pas manquer de travail, ok, je suis pas trop mauvaise, on va y aller, tu vois. Donc c'était un choix vraiment de sécurité, faut dire que mes parents me poussaient là-dedans aussi. Et du coup, l'année que j'ai passée juste avant chez Fiat, où Pana, lui, a commencé à vraiment s'engager dans la force, à apprendre pour devenir coach, etc., ça m'a fait réfléchir, parce que je me disais, mais en fait, aujourd'hui, ma vie, c'est me lever le matin, aller au travail, attendre vraiment 17 heures pour partir, pour aller faire pour aller à la salle et faire ma passion, tu vois. Mmh. Je me dis, mais en fait, genre à 21, 22, 23 ans, ça ne va pas être ça ma vie. Enfin, en fait, je n'arrivais pas à me projeter, tu vois. Pour moi, c'était saugrenu. Et je marchais des fois dans la rue pendant des heures avant de rentrer, juste en me disant, mais en fait, ça n'a pas de sens, tu vois. Mmh. Je voyais pas de sens, je n'y voyais pas d'avenir, etc. Et d'un autre côté, je me disais, mais attends, moi, j'ai grandi dans un environnement où mes parents ne se posaient pas la question, tu vois. T'avais ton travail, t'allais au travail, tu demandais pas si t'allais aimer ou pas. Donc je me disais, est-ce que j'ai le droit finalement de me dire, est-ce que je peux me dire que le travail c'est pas que quelque chose de négatif, est-ce que je peux être heureuse dans mon travail? Est-ce que j'ai le droit? Ou est-ce que c'est juste une idée sortie du chapeau? Et donc en fait c'est un cheminement petit à petit. Là-dessus, Pana et moi, peut-être qu'on s'est bien trouvés, tu vois, et on s'est peut-être un peu engrainés aussi. Mais quand bien même, une fois que donc, je suis arrivée à la Défense et je regardais, après j'ai arrêté d'aller en cours. Donc au bout d'un moment, l'école, puisque c'était Total qui payait mon école, a envoyé une note à Total. Et en fait, je me suis retrouvée convoquée par ma N plus 1 et mon N plus 2. Et en fait, j'ai fondu en larmes. Mais j'ai pas fondu en larmes parce que ils voyaient que j'étais absente et que peut-être je voulais me faire virer. Mais en fait, j'ai fondu en larmes parce que j'ai réalisé que c'était pas la situation dans laquelle je voulais me retrouver. Et du coup, à la suite de ça, j'ai vraiment décidé d'arrêter de travailler chez Total. J'ai décidé que j'allais annoncer à mes parents, parce que en fait, on va pas se mentir. Enfin, pas pour toi. Non, tu le fais pas pour toi. Et je pensais être le genre d'enfant un peu égoïste qui pourrait dire facilement à ses parents, ouais, je fais ce que je veux et tout. Mais on a beau être aussi égoïste qu'on veut, je pense qu'il y a une partie où on est forcément reconnaissant du travail que. Je pense que c'est inconscient aussi. Oui, bah oui, évidemment. J'ai vu les sacrifices que mes parents ont fait pour moi, pour aller à l'école, pour aller à la fac, pour me payer des choses, tu vois. Et donc je me disais, mais en fait, est-ce que j'ai le droit, encore une fois, tu vois, de dire, bah non, mais en fait, est-ce que c'est pas leur dire, bah écoutez, je vous emmerde et j'arrête tout, tu vois. Et un jour, j'ai juste annoncé à mes parents, bon, évidemment. J'ai eu le droit à pas mal de réflexions, tu vois. Genre, je vais finir à la rue ou smicard ou que des choses comme ça. Mais en fait, c'est là où j'ai réalisé, mais en fait, même si je gagne pas bien ma vie, mais que je me lève le matin et que je suis contente de me lever, de passer ma journée et qu'en me couchant le soir, simplement, je me dis c'était une bonne journée et vivement demain. Mais en fait, c'est bon, tu vois. J'aurais réussi ce que je veux. Et donc, ce qui peut sembler être insécuritaire pour certains ne l'était pas pour moi. Pour moi, en fait, la sécurité, c'était pas d'avoir un CDI. Financier. Non, c'était pas un CDI, c'était pas financier. La sécurité, c'était juste vraiment ce sentiment d'essayer de trouver mon bonheur à moi. Oui. Pour certains, ça veut rien dire. Pour moi, genre, trouver le bonheur, ça veut tout dire, tu vois. Mm-hmm. Donc là-dessus, on est tous différents. C'était en quelle année à peu près? Parce que Silent Worker était déjà créé. Oui, Silent Worker était créé. Je l'ai tenu comme ça pendant, je crois, un an et quelques. Et je crois qu'à l'issue de ça, j'ai arrêté. En fait, j'ai travaillé chez Total un an parce que Pana s'était lancé dans le coaching et qu'au début, fallait un salaire complet. Mmh. Et après, j'ai arrêté à l'issue de ça un an. Je pense que c'était 2019 ou 2020, peut-être 2020. Donc, juste avant 2020. La période Covid. Ouais. Est-ce que presque, tant mieux à ce moment-là, tu avais plus de temps, plus le Covid pour justement développer Silent Worker? Alors, en fait,
Quand on a commencé à développer, on avait lancé nos hoodies juste avant le Covid, justement, parce qu'on avait acheté une presse pour essayer de les faire à la maison. Je m'en souviens, ce qui n'avait pas été une bonne idée du tout. Mais bon, il faut tester, voilà. Mais du coup, le Covid nous a permis... Alors, tu sais quoi, je ne sais pas si ça nous a aidés, même si ça nous a... Enfin, tu vois, les sachets Salon Torqueur ont été créés pendant le Covid et tout, parce qu'on a réfléchi au branding à ce moment-là, enfin voilà. Mais je ne sais pas si le Covid a été bénéfique là-dessus. Je pense simplement que ça m'a permis, et ça nous a permis, de nous recentrer et de savoir réellement ce qui était important. Et en fait, Salon Torqueur, encore une fois, n'a jamais été... C'est presque bête à dire, mais n'a jamais été créé à but lucratif. Tu vois ce que je veux dire ? Mmh. C'était vraiment genre un mood. Plaisir, ouais, c'est ça, c'est un mood, c'est un kiff et on le fait, tu vois. Mmh. Et ça s'arrêtait là. Donc, en vrai, pendant le Covid, on est un peu... On a vécu une vie où on kiffait chaque jour, on allait s'entraîner, et on profitait et voilà. Mais on ne s'est pas acharné de travail ou ce genre de choses. On a continué. Oui, parce qu'en plus, il n'y avait pas de compétition à ce moment-là. Non, par contre, j'ai bataillé pour le mythe, ça oui. Ouais. Et tu as réussi à l'organiser. Je crois que c'était même la première compétition post-Covid. Oui, et ça a été la seule, je crois qu'après, on a été reconfinés. Oui, parce que les France n'ont même pas eu lieu cette année-là. Donc, il y a eu seulement... c'était la seule compétition de l'année, en fait. Oui, en septembre, elle a été décalée. Ça. Ouais, donc, c'était début septembre 2020, je crois. Ouais, c'était genre le mi, je crois le 15 ou un truc comme le ça. Le 15, ouais. Alors que les France, c'était genre 2-3 semaines après. Ouais. Sauf que là, confinement total. Ouais, c'est ça. De nouveau. Ouais. Donc j'ai bataillé pour le mythe, c'est le seul truc qui m'a fait batailler, ouais. Mm-hmm. Mais bon, comme je disais, le mythe, c'est le mythe. Donc. Le mythe, c'est... Et en plus, c'était le début du prime time, il me semble. Ouais, il y avait le prime time, c'était ouf. Franchement, le prime time, ça a été une... L'idée, c'était juste comme on avait exclu, parce qu'on a exclu leur match, justement pour permettre aux gens de niveau régionaux de venir. C'était juste permettre aux gens qui avaient un meilleur niveau de quand même avoir un accès, tu vois, et de mettre un cash prize. En gros, c'est deux compétitions dans la compétition. Ouais. Il y a une compétition pour les niveaux haut niveau, entre guillemets, type équipe nationale, et une compétition plutôt pour les personnes qui sont proches du niveau France ou niveau France. Ouais. En fait, le prime time, pour moi, je le vois vraiment comme un main event, une vitrine peut-être pour du public ou ce genre de choses. Alors que le cœur du mythe, pour moi, c'est pas du tout le prime time. C'est vraiment tous les autres athlètes. Et c'est pour ça que c'est à eux qu'on réserve le plus grand nombre de places. Et le prime time ne sera jamais étendu. C'est juste une petite partie, ouais. On va dire. Ouais, ouais, c'est ça. Je sais que l'évolution de ce networker est passée donc par tout ce qu'on a évoqué jusqu'ici. Il y a également peut-être une influence au niveau des résultats de Corentin et de Pana, qui sont compétiteurs. Donc Corentin, du coup, est devenu champion du monde junior et Pana est devenu champion du monde open, donc en force athlétique, évidemment. Est-ce que ça a eu une influence directe sur la marque derrière ? Je pense pas que leur... Alors... Directement et indirectement. Directement, je ne pense pas, parce qu'en fait, pour moi, le déclenchement de Silent Worker, enfin, la reprise après Covid notamment, c'était une vidéo avec Avner. Et en fait, Avner, c'était pas du tout lié à Pana ou à Coco, parce qu'à l'époque, en tout cas, Pana n'était pas champion du monde, c'était lié à l'IA. Parce que c'était l'entraîneur de l'IA. Donc comme ça a été son coach, il a voulu faire une vidéo avec lui. Cette vidéo a très bien marché. En fait, Pana a naturellement offert des t-shirts, parce qu'il a des t-shirts Salon Torqueur à tout le monde. Et du coup, en fait, pour il était... Pour le kiff, ouais. Parce que c'est ses t-shirts, il en est fier, tu vois, c'est normal. Et du coup, il l'a remercié, il l'a mis dans la vidéo, alors qu'on ne savait pas du tout. Et en fait, du coup, ça a déclenché naturellement des ventes, ça a donné de la visibilité, etc. Et puis comme du coup Pana prenait lui aussi de la visibilité via ça, l'IA avait pris de la visibilité aussi via Thibaut InShape, Avner et d'autres, en fait elle le mettait tellement en lumière, Pana, que il a monté graduellement au niveau des réseaux sociaux avec elle, même s'il était un peu en dessous, et voilà. Et en fait, comme tu dis, Coco est monté de son côté lui aussi en tant qu'athlète, en tant que coach. Et en fait, progressivement, c'est un peu ça qui a marché, mais un peu comme une mayonnaise, c'est-à-dire que c'est l'ensemble de tous ces ingrédients qui donnent cette émulsion, tu vois. Et je pense que c'est important justement de dire que, encore une fois, genre Salon Torqueur est monté pas grâce à une personne, mais grâce à une multitude de personnes. Et du coup, c'est ce qui fait que petit à petit, ça a pris. Et après, derrière, nous, on a continué à travailler un peu plus, ça a changé
des choses, à appuyer notamment sur le branding ou à créer de nouveaux vêtements, etc. Et puis, créer d'autres vitrines. Le mythe, d'une manière ou d'une autre, c'est une vitrine de Silent Worker, tu vois. Donc, voilà. Je pense que c'est vraiment... plus que les résultats sportifs à ce moment-là, en tout cas, après, évidemment, ça a joué. Mais à ce moment-là, je pense que c'est plutôt les réseaux en eux-mêmes et l'ensemble de l'équipe qui a fait que ça l'entend. On ne mesure pas l'impact. Ouais, c'est ça qui est difficile, en fait. Et c'est marrant parce que, du coup, ça traduit un peu ma réflexion constante, c'est de me dire, en fait, il y a toujours un croisement ou un choix. Et en fait, tu ne sais jamais quelles vont être les conséquences, mais tu sais qu'il va y en avoir. Oui. Positive ou négative. Là, c'est très bien dit. Donc... Ouais, je vais méditer dessus. On apprend tellement de choses aujourd'hui. Qu'est-ce que ça fait d'être une femme d'un champion du monde ? Écoute. Alors, je dis femme, vous n'êtes pas mariée officiellement, oui, mais tu as compris. Écoute, quand Bana est devenue champion du monde, alors, il faut savoir que je ne suis pas très expressive en termes d'émotion, mais pour moi, c'était une grande, grande fierté, mais pas tant pour moi. Parce que si tu veux qu'il soit champion du monde ou pas, pour moi, en tant que personne, tu vois, ça ne change rien. En revanche, quand on connaît Pana, on n'a pas besoin d'être en couple avec lui, quand on connaît et qu'on sait l'ardeur avec laquelle il travaille pour arriver à ses objectifs, la passion qu'il y met, la résilience, etc., et ce par quoi il est passé, en fait, c'est juste magnifique, parce que tu te dis... Il a enfin atteint ses objectifs. Après tout ça, tu vois ce que je veux dire ? C'est que le chemin était tellement sinueux que du coup, l'arrivée en est que plus belle. Et c'est pour ça que, bah, après l'année blanche, par exemple, là, qu'il a eu, si là, il arrivait à avoir des résultats qui sont bons, bah, en fait, c'est d'autant plus beau. Mais à chaque fois, c'est d'autant plus difficile, mais c'est d'autant plus beau, tu vois ce que je veux dire ? Et donc, plus c'est difficile, plus c'est beau. Bah oui, parce que forcément, tu sais... que tu as cravaché pour y arriver, tu vois, ça t'a pas été donné comme ça facilement. Et c'est pour ça que là-dessus, c'était vraiment un moment fort. Et en plus de ça, c'était un moment fort parce que lui, en tant qu'athlète, il avait brillé. À l'époque, les athlètes qui coachaient, donc à savoir Lia ou Tiff, ont brillé aussi. Enfin voilà, c'était juste fou, tu vois, c'était un ensemble de choses. Et ce qui a rendu ce moment très très fort, encore une fois, et là, on en revient, c'est qu'on était tous ensemble, on était une équipe, tu vois ce que je veux dire ? Il y avait plusieurs personnes présentes, on l'a partagé ensemble ce moment, dans le Airbnb, enfin voilà, c'est vraiment ça qui fait la différence. Et donc, pour moi, être la femme d'un champion du monde, comme tu dis, en tant que telle, ça ne signifie pas grand-chose. Par contre, l'arrivée, l'atteinte de l'objectif, pour moi, veut dire énormément. Je sais même plus quoi dire, tellement je bois tes paroles, c'est... Arrête de dire ça, tu vas faire rougir, on n'a pas préparé en plus. Mais quand tu dis l'équipe, ben avec Tiff, Lia notamment, etc., ouais. Vous êtes la salle la plus forte peut-être du monde, où il y avait, enfin, en 2021, il y avait 3 champions du monde qui s'entraînaient en même temps, dans la même salle, au quotidien, quoi. C'est ce qu'Haroun avait dit. C'est incroyable. Haroun avait dit qu'on était la salle la plus forte du monde. Ouais. Alors, du coup, maintenant, il y a des personnes qui ont même doublé le titre. Ouais. Et on touche du bois triplé, on espère, cette année. Ouais. Pour Tiffany, notamment. Ouais. Et doublé pour Lia, on espère. Ah bah, on verra. Elle a fait une performance mémorable au Arnold. C'est bien rattrapé. Exactement, ouais. Et là, on attend Sheffield avec impatience pour Lia et Tiff. Hein. Et pour Pana, où là, on parle, on est à une semaine des tests de championnat du monde pour la sélection. Ouais. Donc, voilà, on a hâte, on va découvrir son squat qu'il ne montre jamais, du coup. Exactement, ouais, exactement. Est-ce que c'est un squat Tour Eiffel? Il dit squat Tour Eiffel. Alors, je suis pas sûr qu'un haltérophile soit d'accord, mais c'est un squat Tour Eiffel d'après lui. Je sais que moi, en tant que passionné, quand on s'investit corps et âme dans ce qu'on fait, quand on a ce genre de déconvenue, ça touche vraiment beaucoup. Alors, peut-être que c'est moi qui est émotif ou quoi que ce soit. Mais c'est vraiment difficile, ces moments-là. Ouais. Ce moment-là était particulièrement difficile parce que... En fait, si tu veux, le truc, c'est que ces championnats d'Europe, c'était pas juste des championnats d'Europe. En tout cas, pour lui et pour nous, de manière générale. Parce que ça suivait une année blanche, justement. C'était une succession de blessures, cette année-là. Enfin, je veux dire, quand on prend un athlète, on le voit sur la plateforme. Mmh. Mais évidemment, un athlète, c'est un être humain. Et du coup, il vit pas mal de choses, que ce soit émotionnel ou autre. Et c'est vrai que cette année-là, particulièrement, dans un cadre large,
a été très 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 difficile pour lui. Et je pense que c'était un exutoire dont il avait besoin. Et en fait, finalement, pour certains, on pourra dire qu'ils l'ont retiré. Pour d'autres, c'était justifié. Peu importe, tu vois. Mais en tout cas, c'est une chance pour lui qu'il n'a pas eu de s'exprimer. Et je pense que dans ce sens-là, c'était extrêmement dur. C'est aussi, en termes de performance, un retrait parce que du coup, il avait zéro titre à la fin de l'année. Il n'avait aucune opportunité pour Sheffield. C'était la dernière opportunité. Voilà. Donc, je pense que au-delà de... c'était pas juste une compétition. Enfin, c'était pas une compétition supplémentaire, c'était vraiment la seule compétition sur laquelle il pouvait finir l'année en espérant une touche un peu plus positive que l'année qu'il avait passée, qui n'avait pas été terrible, tu vois. Et là-dessus, malheureusement, l'arbitrage, c'est l'arbitrage. On ne pourra rien en dire, tu vois ce que je veux dire. Après, je pense que c'est comme tout aussi dans la vie, moi c'est ce que je dis toujours, tu as beau avoir travaillé, on va prendre un exemple que tout le monde a sûrement déjà connu, tu as beau avoir travaillé, c'est le jour J, le sujet de l'examen, c'est le seul truc que tu ne maîtrises pas ou que tu n'as pas compris, tu n'auras pas ton examen, malgré que tu es charbonné. Ouais. Donc, ça fait partie des choses de la vie et sur lesquelles il faut rebondir. Et je pense que l'échec n'est jamais caractérisé par juste une expérience ou ce genre de choses, elle est vraiment caractérisée par la manière dont tu vas rebondir derrière. Ouais. Tu as soit la possibilité de rejeter la faute sur les autres, soit la possibilité de juste abandonner, soit après avoir accusé le coup, rebondir et reprendre les choses en main, quoi. Mm-hmm. Et chose qu'il a faite après avoir accusé le coup. Et je pense que c'est vraiment ça. Et en fait, pour moi, c'est vraiment ce pourquoi, par exemple, Pana peut avoir autant d'impact dans le sport. Et c'est ce pourquoi aussi Silent Worker est autant apprécié. Parce qu'en fait, pour nous, de manière générale, le travail représente tout. En fait, pour moi, si tu travailles suffisamment, tu dois pouvoir arriver à quelque chose. Peut-être pas à tes objectifs, mais tu dois pouvoir arriver à quelque chose. Je ne peux pas concevoir l'idée qu'on n'est pas maître de ce qui nous fait avancer. On est forcément acteur et d'une manière ou d'une autre, on doit pouvoir faire bouger les choses. Et voilà, je pense que c'est quelque chose sur lequel... Le travail paye. Le travail paye. Peut-être pas comme tu l'entends. Oui. Voilà, tôt ou tard, peut-être pas à l'instant où tu vas le vouloir, mais le travail paye. Mmh. Et ça, pour moi, c'est quelque chose... Enfin, c'est presque une certitude, tu vois. Et du coup, il l'a appliqué. C'est pour ça que je te dis, il est le digne de représentant de sa marque, finalement, tu vois. Silent worker, travailleur en silence. Voilà, c'est ça. Même s'il est très présent sur les réseaux ou ce genre de choses, ça reste que les gens ne voient qu'une partie, mais tellement infime de l'iceberg et ne voient pas tout le reste. Ils ont l'impression de le voir parce qu'en story, tu vois des entraînements, tu vois la vie de tous les jours, tu vois ceci. Mais en réalité, la réalité des choses, c'est que tu vois juste... si tu vois 2%, t'es déjà chanceux, tu vois ce que je veux dire. Tu sais réellement pas tout le travail qui est fourni derrière, toute l'abnégation, tous les sacrifices, toute la passion, tout le travail, tu sais pas. Et c'est ça qui est beau, en fait. Enfin, moi, c'est ça que je trouve beau. C'est que justement, quand tu vois les gens arriver à un point, peu importe que ce soit le sommet ou autre, derrière... Tu sais d'où ça part. Tu as une idée. Tu as une idée. Ouais. Ouais, tu as une idée, mais justement, est-ce que tu sais... Je sais même pas, tu vois, si la personne qui en est arrivée là ne sait, tu vois. Moi, je sais pas exactement comment ça s'est enchaîné. Je sais juste que les choses ont fait que j'ai avancé ou des choses comme ça. Mais il y a des points clés en réalité dont tu te souviens pas. Et du coup, je pense que c'est vraiment le moment où ça va lui permettre de clôturer l'épisode de l'année dernière. C'est comme si, je pense, cette année n'était pas terminée. L'année 2022 n'était pas terminée. Et les championnats, lui, vont lui permettre de terminer le truc. Et du coup, j'ai hâte. Terminer ce chapitre, boucler et rouvrir un nouveau. Et rebondir. Comme il est fan des animés, on termine à une saison. Une saison, exactement. Voilà, et on en ouvre une autre. Et l'autre, ce sera sûrement un truc type... Là, on était en vengeance, alors je ne sais pas ce que ça va être le mood d'après. Est-ce que c'est encore du toujours plus Non, ça a été la rédemption, mais il n'a pas pu l'avoir. Du coup, on a eu la vengeance. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va avoir? La suite au prochain épisode, j'ai envie de dire, parce que je suis pas sûr qu'il le sache lui-même. Non, je pense pas, en fait. Non, je pense pas. On sait pas de quoi l'avenir est fait, comme tu disais. On en est qu'au début, c'est que le warm-up, on est là, on commence à montrer, entre guillemets, pour soi, les autres voient, ok, et après, on y va étape par étape. Ouais. Ça veut dire que derrière, là, si on travaillait à 100%, ça veut dire que derrière, il va falloir travailler à 150%. C'est ça, la réflexion. C'est ça. C'est ça. Est-ce que tu aurais un dernier conseil, un dernier mot à,
aux personnes qui ont du mal peut-être à se lancer dans l'entrepreneuriat comme tu as pu faire, par exemple? Pour être honnête, et ça, c'est fait suite avec une conversation que j'ai eue avec mes amis, je ne peux pas conseiller aux gens, par exemple, de se lancer dans l'entrepreneuriat ou de rester en CDI ou peu importe, tu vois, parce qu'en fait, je pense que c'est un choix vraiment personnel. Et tout comme à l'époque, mes parents ne voulaient pas que je fasse le choix de l'entrepreneuriat parce que pour eux, c'était une question de sécurité. C'était sûrement la meilleure chose à faire, tu vois. Ils voulaient le meilleur pour moi. Du coup, je me vois mal donner ce genre de conseil parce que je pense que c'est vraiment personnel. L'entrepreneuriat, c'est vraiment quelque chose que je considère énormément. Et pour moi, c'est très beau parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui me permet d'être heureuse, de me lever le matin, d'être contente, de me coucher le soir, encore une fois, en ayant passé une bonne journée et de vouloir me relever le lendemain. Pour autant, ça a des aspects négatifs. C'est un stress complètement différent, c'est une charge de travail complètement différente, etc. Notamment quand tu commences à avoir des employés, parce que à la fin du mois, il y a des gens qui comptent sur toi pour avoir leur salaire. Et si demain, ton entreprise, elle se casse la figure, c'est des gens qui ne peuvent plus compter sur toi. Et ça, C'est constitué comment d'ailleurs, Silent Worker ? Silent Worker est une entreprise, BTZ en est une autre, et The Panache en est encore une autre. Donc il y a vraiment trois entreprises complètement distinctes. Et du coup, on a des salariés ou des prestataires, ça dépend. Donc des fois, on a deux personnes en CDI. Ensuite, on a des personnes que l'on paye à la fin du mois, donc qui nous font des factures, mais qui ne travaillent qu'avec nous aussi. Donc, tu vois, l'ensemble de ces personnes comptent, enfin, moi, j'estime qu'elles comptent sur moi pour presque payer leur loyer, tu vois. Donc, c'est une charge supplémentaire que tu n'aurais pas si tu es en employé ou en CDI ou cadre, peu importe, hein, tu vois. Mais derrière, pour moi, c'est plus... C'est comme si j'avais libéré mes chaînes en partant de chez Total. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, malgré tout cet aspect, ou l'aspect administratif, on ne va pas se mentir, c'est quelque chose quand même. Voilà, on ne va pas se mentir, c'est quelque chose. Mais malgré ça, ça reste pour moi quelque chose de beaucoup plus léger que juste arriver le matin à 9h et partir à 17h. Et du coup, en fait, je pense que les gens doivent juste se dire, en fait, qu'est-ce qui fait que ma journée va être belle aujourd'hui ? Et s'ils travaillent et en se levant le matin, ils se disent « Ouais, vivement 17h », à ce moment-là, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tu vois. Enfin, pour moi, encore une fois. Mais... Soit tu l'acceptes, soit tu changes. Voilà, soit tu l'acceptes, soit tu changes. Il y en a pour qui, finalement, le 9h-17h, pour une sécurité financière, ça vaut tout. Et c'est bien, en fait. Il n'y a pas de problème à ça. Ma sœur est comme ça, tu vois, et j'en suis très contente. On est complètement tous différents. Mais c'est vrai que du coup, je ne peux pas donner de conseils, si ce n'est juste de prendre le temps de savoir qu'est-ce qu'on veut, tu vois. Et je pense que c'est important. Et se dire que, on n'a qu'une vie, tu vois. Et moi, en fait, je pense que je suis guidée par ça. Et ce sera peut-être ça le mot de la fin, tu vois. J'ai deux choses que je n'ai jamais voulu avoir dans ma vie. On en a toujours quelques-uns, mais pas gros. Je ne veux pas avoir de regrets. Et je veux juste me dire, en me couchant le soir, que peut-être le lendemain, je ne me réveillerai pas. Et que pour autant, je suis satisfaite du chemin que j'ai parcouru. Voilà. Ce sera le mot de la fin parce qu'on ne peut pas mieux terminer que ce genre de phrase. Merci Anissa, c'était très inspirant en tout cas cette discussion que l'on a eue pendant plus d'une heure, on ne sait plus où on en est. C'est ma première interview, elle est super longue. Ouais, mais je pense que on est tellement, tu es tellement habité par la passion que tu mets en fait dans ton quotidien que justement, tu as je pense aussi envie d'en parler. Et nous, on a envie d'entendre ce que tu as aussi à nous dire. Donc, j'ai mis le petit t-shirt aujourd'hui. J'ai mis le petit t-shirt, il représente l'équipe. Exactement. Et j'espère que vous aurez apprécié cet épisode, cette vidéo. N'hésitez pas à ajouter un commentaire, notamment à dire ce que vous en avez pensé de ce qu'Anissa a pu nous dire. N'hésitez pas, vous pouvez retrouver également cet épisode en podcast, donc pas forcément que en vidéo. Si vous voulez pas nous voir, vous pouvez nous entendre en tout cas. Merci Anissa. Je t'en prie. Et moi j'ajouterai un truc. Oui. Mettez en commentaire si vous voulez qu'on fasse la même interview mais pour Flo. Non, parce que j'insiste, effectivement on avait interviewé un podcast, mais on va refaire une interview pour sa chaîne, mettez-le en commentaire. Et mets-le au début de la vidéo pour que tout le monde voit ça. Tu sais que je peux couper, hein. Non, justement. Tu mets en début de vidéo. Comme ça, on voit en commentaire si les gens veulent t'interviewer toi. Que dans l'historique, toi, t'es... Wouh !
Je ne sais pas quelle année tu as commencé, mais bien avant encore. Le journal de Florian. Ouais, c'était le carnet de Florian. Ah, le carnet de Florian. J'ai filmé les premiers championnats de France 2016 pour la nouvelle. Je me suis dit, tiens, j'aime bien faire des vidéos. 2016, c'est le début d'Euro. Hein. Début d'Euro, c'était 2012-2013. 2013 ? Ouais, à peu près, ouais. Ah ouais ? Ouais, ça fait déjà 10 ans. C'est fou, hein. Ah non, 2016, c'est parce que c'est le début de la FF Force. Non, pareil, en même temps que l'Euro. Non, 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 c'était l'haltérophilie. Ouais, c'était 2012-2013, oui, FF Force. Ah oui, 2016. Oui, 2016. Oui, autant pour moi, oui. C'est pour ça que je me rappelle très bien, c'était le premier championnat de France Open de l'IA, où elle a fait buller au squat à 150. Comme elle a fait lors de ses premiers championnats d'Europe, finalement. Voilà, exactement. Donc, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'elle fait? Et du coup, elle a réussi quand même. Mais c'est parce qu'elle elle tient l'intrigue jusqu'au bout. Et je me rappelle encore, là, on est en train de partir. On va rajouter 30 minutes à l'épisode. Mais à ces championnats de France, justement, je me rappelle, j'étais en BPJEPS pour devenir coach, ce que je suis maintenant. Et justement, bah, Sébastien Maître, qui était mon référent à l'époque de BPJEPS, me présente à Xavier de Putorac pour dire, écoutez, regardez, il fait des vidéos et tout. Il fait une vidéo sur les championnats de France et tout. Voilà, c'est parti de là, étape par étape. Et après, on en est là, aujourd'hui. Eh ben, donc, c'est pour ça qu'il faut qu'il nous raconte son histoire. Et donc, mettez en commentaire. On va pas mettre voter 1, on va mettre mettez en commentaire, mettez juste Flo, on aura compris que vous voulez une interview sur Flo, parce que ça aussi c'est un parcours très intéressant. C'était il y a 7 ans. C'était il y a 7 ans et la force aujourd'hui elle prend un boom énorme et honnêtement ça fait vraiment plaisir de le voir. Je pense que un jour il faudra faire juste une petite vidéo les changements de la FF Force, parce qu'il y en a eu énormément. Ouais. Et il y en a encore énormément et même sur ce qu'on ne pense pas finalement, c'est-à-dire vraiment sur les têtes dirigeantes de la fédération. Et peut-être qu'un jour, il faudra que tu fasses une vidéo là-dessus pour que les gens ne pensent plus que c'est aussi opaque et que c'est quand même... Et que tout le monde peut y participer. Mais en fait, c'est pour ça aussi que j'ai voulu, te mettre en valeur en tant que personne et aussi en tant que... tu vois, il y a beaucoup de gens qui travaillent qu'on ne voit pas. Mmh. En fait, on voit ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, etc. Oui. Toi, tu te montres pas forcément sur les réseaux sociaux, etc. Et justement, on sous-estime les gens qui travaillent dans l'ombre, justement, pour faire ressortir un peu toute la lumière autour, quoi, de cette discipline. Mais ça, c'est normal. Mais c'est vrai que là-dessus, sur la fédération, et c'est pour ça que je dis, enfin, je pense qu'une vidéo sera je sais très bien que pour beaucoup, c'est très opaque. On a presque l'impression qu'on peut pas rejoindre, que ce soit même une ligue ou la fédé. Alors qu'en fait, c'est complètement faux et que le recrutement de bénévoles, il se fait énormément. Mais c'est juste que je pense que machinalement, notamment les anciens présidents de ligue ou autres, ont tellement pris l'habitude de demander sans avoir de réponse qu'ils le font plus. Et du coup, toutes les nouvelles personnes qui arrivent et qui voudraient se porter volontaire, ne le font pas parce que ils se disent, on nous a jamais proposé, tu vois, alors que c'est volontaire. Et à l'époque, quand Stéphane, là, il y a Gwen, mais il y a moi, quand il nous a proposé de rentrer au comité directeur, pour nous, c'était fou, tu vois. Et tu vois, là, en 2024, il y aura les nouvelles élections. Et du coup, il y aura d'autres personnes qui pourront rentrer au sein des organes dirigeants de la Fédé. Et franchement, c'est quelque chose que j'encourage énormément. Et c'est vraiment ensemble et avec de nouveaux cerveaux qu'on construira quelque chose de beau entre... les têtes actuelles, c'est-à-dire ceux qui connaissent les rouages et qu'il ne faut surtout pas évincer, malgré ce qu'on dit, il ne faut pas les évincer, elles font un travail formidable et qui est irremplaçable, et les nouvelles personnes, en fait, ensemble, c'est vraiment quelque chose qui va créer quelque chose de... qui va fonctionner à l'avenir. J'en suis convaincue. Merci Anissa. Je t'en prie. Eh bien, je vous souhaite de passer une bonne journée, en tout cas, bonne soirée. Merci Anissa, en tout cas, pour tout ça. Je pense que ça mérite une session de prépa mentale. On vient de vivre une heure de prépa mentale ensemble. Ah bah c'est gentil, merci. Bah merci Anissa. Je t'en prie Flo. Et on se dit à bientôt. À Salut. Bientôt, ciao. Ciao. Nickel. On a réussi ? Trop bien. Bravo ! Ouais ! Ouais !